Et dis-moi, Mamochka, aurais-tu l'extrême obligeance de m'avancer quelques sous-sous? Je les rendrai, ne t'inquiète pas. Mes photos passent la semaine prochaine. Ça fait un mois qu'elles sont au marbre. Combien? Vive la reine! C'est toujours toi, Marie. Une étoile. Avec intelligence et habileté, l'auteur Loli Bellon décrit le destin de trois dames russes émigrées en France. Une fois par semaine, comme des complices, elles se réunissent pour échanger leurs souvenirs. Au beau dimanche de cette semaine, Gisèle Schmitt, Hugues Attoligny, Yolande Roy dans Les Dames du Jeudi, une réalisation de Jean Fauché. Les hommes se sont toujours imaginés que j'étais facile. Peut-être parce que j'étais rousse. Oh, aînée. Les hommes se sont toujours imaginés que tu étais facile parce que tu faisais tout pour les exciter. Ah, mais tu n'étais satisfaite que quand tu en avais une demi-douzaine derrière toi à tirer la langue.